Pourquoi ne pas faire de l'apologie de l'humanisme? La question principale de la science helmobine, qui a codé l'univers dans la science helmobine? Si code il y a codeur. Vous allez voir qu'il y a un code qui s'appelle la science helmobine dans lequel quelqu'un a tout mis, a tout programmé. Je rappelle le postulat de base. Helmobine est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Conseil, mettez de côté les a priori, les jugements hâtifs et observez. Donc, cette étude fit suite à Hommage au professeur tué, ce que risquent les 357 élèves qui ont perturbé le recueillement. Donc depuis l'hémicycle mardi, Gabriel Attal a lancé, à un moment, la tolérance ça va, le pas de vague c'est fini. Il est en concurrence totale avec le fameux ministre de l'Intérieur. Donc chacun essaye de se faire marquer et remarquer. Donc hommage au professeur tué, ce que risquent les élèves qui ont perturbé le recueillement. D'abord, je rappelle la définition d'un nombre premier. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. Donc la définition des nombres premiers est simple. Vous les avez découverts dès le collège, dès le début du collège. Pour comprendre la science helmobine, il faut savoir qu'un nombre premier a un rang. Il a une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 7 est le quatrième nombre premier. Le 23 est le neuvième nombre premier, ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, A égale à 2, B égale à 3, H égale à 19, I égale à 23. Le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Maintenant, observez bien. Hommage au professeur tué, ce que risquent les élèves. Donc, j'ai supprimé les 357. D'accord? Donc, les élèves qui ont perturbé le recueillement. Nous allons voir est-ce que le 357 va apparaître comme par hasard. Donc, ici, hommage au professeur sans les rangs, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs. Ici, avec les rangs, nous avons dit que A, par exemple, est égal à 2, mais 2 est premier, il a comme rang 1. Nous avons dit que E égale à 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc je vais avoir un total sans les rangs et un total avec les rangs. Observez bien, les deux totaux, je divise par le 114 et le 23 les cœurs des nombres mystérieux, les nombres mystérieux principaux depuis le début, ça fait plus de 7 ans maintenant. Nous les avons mis en valeur, le 114, le 23, le 114, le 23, le 114, le 23. Donc je divise par le 114 et le 23. Ici, la ligne principale, les restes de la division euclidienne. La science helmobine exige que, quand tu as un nombre supérieur au 23, où ça ne peut être que lui, ou lui et lui, ou pas les deux. Donc lui, divise-le par le 23, le reste est 12. Lui, il est premier, il a comme rang 1. Donc quand j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23, et quand j'ai un nombre premier, je pose son rang. Parfait. Somme avec, ça veut dire somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science helmobine. Ce nombre est le rang du nombre premier 467. Nous avons dit que c'est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers et les nombres mystérieux. On a fait la somme avec, maintenant la somme des nombres issus de la ligne principale. Le 12 et le 1. Égal à 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Observez bien et expliquez. Le 467 moins son rang, moins le 13, moins le 6, donne le 357 que j'ai supprimé. Les 357, je les supprime ici. Le voilà, quelqu'un l'impose. Donc c'est le nombre d'élèves qui ont perturbé le recueillement. Maintenant, observez bien. Lui, avec le 6, regardez bien. Donc lui, avec le 6. Regardez à quel point les nombres sont codés, égal à lui est le rang de ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? À un moment, la tolérance, ça va, le pas de vague, c'est fini. Waouh!
Phénoménal, non? Tu peux dire ici, c'est peut-être le hasard qui a fait ça. Mais plus tu avances, plus tu vois que non. Quelle que soit la direction que je prends, elle est qu'au départ, Dieu. Observe la beauté de la chose. Lui avec lui avec lui donne lui. Lui, c'est quoi? C'est le rang du nombre premier. Lui a donné, Dieu a donné l'ordre à lui d'être premier. C'est lui. À un moment, la tolérance, ça va. Le pas de vague, c'est fini. Donc lui, il est premier, il a commencé en 474. Maintenant, observe bien la clé. 13 plus 6 maintenant. On avait fait 13 moins 6. 13 plus 6 maintenant. Égal à 19. 19 est premier. Il a comme rang 8. On aura besoin de Dieu, le 114, le nombre principal de l'ascension mobile. Observez bien et expliquez. Le 474, lui, avec le 474, avec le 19, avec le 8, avec Dieu, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Gabriel Attal. Ce nombre, observez bien, donc 457, plus lui, plus lui. Donc, c'est lui, Gabriel Attal. Dieu a donné l'ordre à lui d'être premier, et là, comme rang 68, pour que le total soit lui. Parfait. Maintenant, observez bien. Le texte initial, lui plus lui. Le texte initial, donc lui plus lui, égale à ce nombre. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec le 68, avec le rang 19, avec lui, observez bien, égale à quoi? Égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Pourquoi ne pas faire de l'apologie de l'humanisme? Question. Pourquoi vouloir punir ces élèves, des petits gamins de rien du tout? Pourquoi la manière forte, pourquoi la France évolue cette évolution bizarre? Bizarre. Donc pourquoi ne pas faire de l'apologie de l'humanisme? On aura besoin de Dieu. On aura besoin de la durée de la révélation et des nombres principaux de Al-Mubin. Observe bien et essaye d'expliquer. Lui, avec le 23, avec le 9, observe bien. Avec lui, et avec Dieu, égal à lui. Lui, c'est quoi? Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose. Donc sa vie, sa mort ne servent à rien finalement. La France devient de plus en plus bizarre. De plus en plus bizarre. Même Le Pen n'avait pas rêvé de mieux là. Même Le Pen n'a pas rêvé de. Là aujourd'hui, la France est d'une malheureusement, il n'y a rien à dire. De toute façon, on peut plus rien dire malheureusement. La fameuse sacro-sainte liberté d'expression. Mon œil. Parfait. Donc observez bien. Qui a codé? Donc j'ai pensé à lui parce qu'on fait tout ça pour lui. Pour lui et pour lui. Donc, regardez lui ce qu'il disait. Je voudrais que ma vie et ma mort et ma vie servent à quelque chose. À quoi a servi sa mort? Très bien, maintenant, allez, expliquez-moi, s'il vous plaît. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec le 114, avec lui, observez la beauté de la chose, avec lui, les nombres nord, avec lui, avec lui, avec lui, observez bien. Et avec le 91, rappelez-vous ici, le 91 n'avait pas participé. Avec le 91 qui n'avait pas participé ici, ça donne quoi? Ça donne lui. Lui, c'est quoi? Observez la beauté sublime de la chose. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux, le téléphone. Il n'en avait même pas. Il n'aimait ni la foule, ni les hommes. Il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère, sa sœur. Nous nous aimions. C'est ce qu'a dit l'épouse de Dominique Bernard le jour de ses funérailles. Lui, il est premier, et là, comment lui? Qui a donné l'ordre à lui d'être premier? Vous allez voir son rôle à lui, pourquoi il est là. Observez bien. Lui moins lui, la somme des rangs de ce texte de l'épouse de Bernard. Dominique Bernard. Observez bien. Donc lui, il est premier, et là, comment rang 387. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec son rang, avec le rang du 23, avec lui. Avec Dieu et avec le rang de l'autre 23. D'accord? Observez bien. Donne-lui. Maintenant, observez encore. Observez. Lui. OK. Avec lui. Avec lui. OK. Observez bien. Avec lui. Avec lui. Observez bien. Avec le 23 et le 9. Avec Dieu.
avec Dieu et avec le fameux 91 qui n'avait pas participé ici. Dans quoi? Dans le même nombre. C'est quoi ça? Pourquoi ne pas faire de l'apologie de l'humanisme? Ma question, qui a codé? Là, tu es en face de quelque chose qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Donc, tu peux continuer jusqu'à la fin des temps, quelle que soit la pensée que tu vas avoir, quelle que soit l'idée que tu vas avoir, quelle que soit la chose que tu vas écrire, tout est codé à l'infini, de manière fractale, intarissable, infini, renouvelable, multidimensionnel, mets les adjectifs que tu veux. Qui a codé, s'il vous plaît? Merci à vous. Dommage pour la France. Merci à vous, à la prochaine.